Moi, je suis Isabelle Delma, je coordonne l'organisation de la kermesse. Donc cette kermesse, donc, elle a lieu donc, tous les ans à la Maison Beaulieu pour la formation des séminaristes. Donc elle a un double objectif. Elle a à la fois bien évidemment de récolter des fonds pour la formation des séminaristes, puisque nous avons encore des séminaristes dans le diocèse, ils sont 6 en ce moment. Ils ne sont plus formés à Bordeaux, mais ils sont toujours formés pour le diocèse, à Paris et à Rome en ce moment. Et la kermesse, l'année dernière, par exemple, a permis de récolter 40 000 euros. Et la formation d'un séminariste, c'est à peu près 25 000 euros par an. Donc cette kermesse a ce premier objectif. Et un autre objectif qui est au moins aussi important, c'est de rencontrer les séminaristes qui sont là et de vivre un moment de diocèse, un peu ce côté communauté ou église universelle du diocèse de Bordeaux, avec des gens qui... tous les bénévoles évidemment qui sont impliqués depuis longtemps et puis tous les gens qui viennent participer aux activités, etc. et rencontrer les séminaristes pendant cette journée. L'abbé Laurent Dubosc, je suis le délégué épiscopal pour les séminaristes. Voilà, donc il m'appartient d'accompagner aussi ce projet de la kermesse chaque année, une kermesse qui est donnée au profit de la formation des séminaristes. Voilà, de les accompagner, les 3 qui sont là présents, mais je n'oublie pas aussi les autres. Voilà, donc nous avons 7 séminaristes, voilà, donc, dont 2 diacres. Voilà, qui se prépare au ministère presbytéral. Donc c'est une grande joie pour moi de les accompagner. C'est la mission que m'a confiée notre archevêque. Et puis aussi de vivre chaque année ce moment de la kermesse. Voilà, cette kermesse qui est faite bien sûr pour récolter un peu de sous, hein, pour leur formation, et en même temps pour montrer eh bien le dynamisme de l'appel vocationnel aussi dans notre diocèse. De voir combien les chrétiens de Gironde eh bien, se mobilisent aussi et avec beaucoup de joie, de simplicité, eh bien, donnent de leur temps et puis aussi de leur argent voilà, pour la formation des séminaristes. Donc c'est un grand moment et très important pour la vie de notre diocèse et j'en suis très heureux. Alors moi, on m'appelle Landry Bouillon, je suis séminariste pour l'archidiocèse de Bordeaux, je suis en formation à Toulouse. Ce matin déjà, nous avons commencé la kermesse et
je peux vous dire que c'est une grande joie parce que les gens se sont vraiment manifestés et pour la formation des séminaristes. Alors moi je m'appelle Joseph Legros, j'ai été ordonné diacre en juin dernier, là je me prépare à l'ordination presbytérale. J'ai terminé ma théologie à Paris et je suis actuellement en insertion sur la paroisse de Talence. Et la kermesse du séminaire, c'est magnifique. J'étais hier soir pour la préparation et je voyais toute cette ruche de toutes ces personnes qui s'impliquent. Et c'est vraiment magnifique, comme je leur disais en les remerciant. Vraiment, nous, on se sent portés. Voilà, on se prépare à donner notre vie et de voir tous ces gens qui s'impliquent, qui se donnent aussi pour manifester qui nous aiment et qui nous attendent. Et ben, c'est vraiment motivant. Donc voilà, une très grande joie. Bonjour à tous. Moi, c'est Benoît Deschamps. Je suis séminariste en première année de théologie et je suis au séminaire de Toulouse avec Landry. Et je suis en paroisse à Saint-André-de-Cubzac. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui à cette kermesse. Et voilà, comme on dit mes frères séminaristes, très heureux de voir tous ces gens qui s'investissent, voilà, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leurs talents, voilà, pour notre formation. Et surtout des gens aussi qui sont heureux de nous voir. Et bon, en retour, on est heureux de les voir aussi, mais voilà, je suis touché de voir à quel point les gens sont heureux de nous voir et de discuter avec nous. Merci pour votre soutien.